Bonjour à vous, amateurs de bricolage, bricoleurs du dimanche, ou peut-être même professionnels du bâtiment. Tout bricoleur qui se respecte se doit d'avoir une perceuse visseuse dans sa boîte à outils. Sinon, c'est comme partir à la chasse avec un lance-pierre. Vous aurez peut-être un lapin, mais pas de sanglier, ou difficilement. Bricoler sans perceuse visseuse, c'est un peu la même chose. Le problème est qu'il existe des dizaines de marques et modèles sur le marché. En choisir une devient alors un véritable casse-tête. C'est pourquoi notre équipe d'experts en a testé plusieurs dizaines afin de vous présenter ce comparatif avec la meilleure perceuse visseuse sans fil pas cher, le meilleur rapport qualité-prix, ainsi que la meilleure perceuse visseuse sans fil du moment. Avant de commencer, nous allons vous expliquer ce qu'est l'indice Le Bon Choix. C'est tout simplement la moyenne des avis de clients ainsi que la moyenne des avis d'experts que nous avons centralisé pour vous donner un score de satisfaction générale. Commençons avec la Black & Decker 18 volts. Reconnue depuis plus de 100 ans comme l'une des marques les plus fiables au monde, Black & Decker est présente partout dans le monde avec ses produits innovants et robustes. Un véritable allié pour le bricolage et le jardinage. Comme à son habitude, Black & Decker impose sa marque de fabrique sur cette perceuse visseuse avec son design noir et orange, bien reconnaissable. Sans fil, ce modèle est alimenté par une batterie, plus précisément deux. Car oui, cette perceuse est vendue avec deux batteries de rechange. De plus, ces batteries sont dotées de la technologie lithium-ion pour vous permettre de disposer d'une plus grande autonomie d'utilisation. Vous pourrez donc percer et visser toute la journée. Bien que Black & Decker soit un poids lourd sur le marché du bricolage, ils ont pourtant réussi l'exploit d'allier puissance et légèreté car cette perceuse visseuse ne pèse qu'1,4 kg avec sa batterie. Niveau puissance, elle nous offre du 18 volts pour une capacité de 1,5 ampères-heure. Elle propose également une vitesse pouvant aller jusqu'à 650 tours par minute, percer et visser deviendra facile. Ce n'est pas tout, avec un couple maximal de 30 Nm réglable sur 11 niveaux, vous pourrez visser avec précision quelle que soit la nature des pièces à assembler. Avec sa puissance et sa précision, ce modèle vous permettra de percer jusqu'à 25 mm dans le bois et 10 mm dans le métal. Cette perceuse visseuse offre également une ergonomie remarquable avec son poids léger et sa forme compacte, la machine devient très maniable. De plus, elle est équipée d'un grip qui permet une prise en main ferme et agréable. En plus d'être maniable, cette perceuse visseuse est aussi très pratique. Elle est livrée dans une mallette afin de la ranger et la transporter partout avec vous. Et pour vous permettre de mener à bien tous vos projets de bricolage, Black & Decker vous fournit aussi un set de 80 accessoires. En résumé, la perceuse visseuse Black & Decker 18 volts est un modèle surprenant pour son prix. Puissance, design, praticité, tous les ingrédients sont réunis pour s'adapter aux besoins de chaque bricoleur. Nous ne pouvons donc que vous conseiller de craquer pour cette perceuse visseuse Black & Decker. Pour compléter les notes, nous avons décidé de vous joindre également quelques avis clients. Vous retrouverez en description le lien vers la fiche produit. Passons maintenant à la perceuse Bosch GSR 12 volts. Pour l'anecdote, Bosch est une multinationale allemande fondée par Robert Bosch en 1886. Elle est présente sur de nombreux marchés, l'équipement pour l'industrie automobile, la fabrication d'appareils électriques et d'appareils électroménagers ou encore le bâtiment. La perceuse visseuse Bosch GSR 12 volts est sans fil. Elle fonctionne grâce à une batterie lithium-ion de 2 ampères-heure. Les batteries lithium-ion font partie des meilleures batteries sur le marché, alliant grande autonomie et vitesse de rechargement. Pour être sûr que vous ne manquiez pas de jus, Bosch vous fournit avec ce modèle deux batteries. Vous pourrez donc percer et visser en toute tranquillité toute la journée. Ce modèle se démarque aussi par sa nature compacte, sa taille et son poids. En effet, avec seulement 950 g batterie comprise, cette perceuse visseuse est l'une des plus légères sur le marché dans sa catégorie. Les travaux de perçage et vissage en hauteur ne seront plus un calvaire pour vos bras. Sa taille et son poids n'ont aucune incidence sur ses performances techniques. Avec ses 12 volts, elle peut monter jusqu'à 1300 tours par minute, plutôt impressionnant pour son gabarit. Elle possède un couple allant de 15 à 30 Nm réglable grâce à un engrenage tout en métal à deux vitesses. Cette configuration vous permettra de contrôler votre vissage et de réaliser vos travaux avec précision. Pour toujours plus de praticité, la Bosch GSR 12 volts est livrée avec de nombreux accessoires. Un set d'embouts de vissage, 25 pièces, un set de mèches à bois, 7 mèches, et un set de forêt à métaux, cette forêt. Ainsi, avec ses 39 accessoires, vous pourrez bricoler dans toutes les situations avec simplicité et efficacité. La perceuse visseuse Bosch GSR 12 volts est donc un allié incontournable. Son excellente autonomie, ses dimensions compactes et son poids plume font de lui un outil parfait pour les longs travaux dans des espaces confinés. Ce modèle saura sans aucun doute faire le bonheur des professionnels et des bricoleurs du dimanche, et c'est bien ce pourquoi nous vous le recommandons. Pour compléter les notes, nous avons décidé de vous joindre également quelques avis clients. Vous retrouverez en description le lien vers la fiche produit.
Pour finir, voici la perceuse visseuse sans fil Makita HP 457 DWE 10. Ce modèle est donc bien évidemment sans fil et alimenté par une batterie lithium-ion de 18 volts. Il est également livré avec deux batteries et un chargeur rapide afin de vous permettre de faire vos travaux sans interruption. Côté puissance, ce modèle possède un engrenage à deux vitesses de 400 et 1400 tours par minute, ainsi qu'une vitesse de frappe de 6000 ou 21 000 coups par minute. Vous pourrez donc travailler différents types de matériaux rien qu'en ajustant la cadence de frappe et la vitesse selon vos besoins. Elle permet également un travail efficace et minutieux grâce à son couple maximal de 42 Nm qui est réglable en 17 positions différentes dont l'une est destinée pour le perçage à percussion. Avec ses caractéristiques, la Makita HP 457 vous offre une capacité de perçage de 36 mm dans le bois et 13 mm dans l'acier. Concernant ses données logistiques, cette machine fait à peu près 239 mm de long, 83 mm de large et 240 mm de hauteur pour un poids total de 1,7 kg. Pour nous faire oublier son poids, Makita s'est appliqué à fabriquer un modèle très ergonomique. Sa poignée Soft Grip vous assure une excellente prise en main. La perceuse visseuse Makita est livrée dans une mallette rigide de transport qui comprend deux batteries, un chargeur rapide, deux mèches plates, 8 embouts courts plats, 10 embouts courts Philips et d'autres accessoires indispensables que nous vous laisserons découvrir. La Makita HP 457 est un modèle très performant et polyvalent, un véritable petit couteau suisse. Toutes ses caractéristiques techniques et ses fonctionnalités vous permettent de regrouper plusieurs outils en un seul tout en conservant efficacité, puissance et précision. Ce modèle convient à tous les bricoleurs particuliers en quête d'une perceuse visseuse polyvalente et durable. De plus, avec son coffret résistant, vous pourrez l'emporter partout avec et la ranger facilement dans votre établi. C'est donc pour ses nombreux avantages que nous vous la recommandons donc sans la moindre hésitation. Pour compléter les notes, nous avons décidé de vous joindre également quelques avis clients. Vous retrouverez en description le lien vers la fiche produit. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à vous décider. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester informé dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Tous les liens vers les fiches produits sont disponibles dans la description. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires, à liker et partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un nouveau comparatif. C'était lebonchoix.org. Ciao !